Bonjour ou rebonjour, bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire Trading Central. En effet, cette alerte est la deuxième alerte du jour, aujourd'hui mardi 9 mars 2021. Cette fois-ci, nous allons du côté des États-Unis avec une alerte haussière sur le Dow Jones. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire directement en activant également la clochette des notifications afin d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. Allez, on regarde tout de suite le détail de l'alerte qui vient de vous être envoyée. Alors, que nous dit cette alerte? Donc, Wall Street long, donc le Dow Jones, bien sûr, toujours donc place de cotation Spectrum, l'émetteur Redius, le code ISIN ici en haut à droite. La barrière de désactivation donc choisie pour le Dow Jones, 28 643.43, je le rappelle, la barrière de désactivation, c'est le niveau pour lequel le turbo est désactivé si le marché vient toucher les 28 643. Donc direction longue, nous sommes donc sur une stratégie haussière. Et que nous dit donc l'analyse? Donc le Dow Jones en intraday, billet haussier au-dessus de 31 250 points. Dans ce qui est le point pivot retenu par Trading Central. Donc au-dessus de ce niveau, une cible à 32 240, puis 32 710 en extension. Bien sûr, gardez en tête le scénario alternatif. En cas de retournement du marché, en cas de cassure des 31 250, un risque de poursuite baissière, donc vers 30 780, puis 30 530. Côté graphique, le RSI donc milite pour une nouvelle jambe de hausse, ce que nous indique ici donc l'analyse de Trading Central, et vous avez la représentation bien sûr du RSI ici juste en bas, en effet positionné plutôt sur une tendance haussière. On retrouve ici le niveau du point pivot retenu par Trading Central, 31 250, avec le niveau actuel plus ou moins, c'est ce que nous allons vérifier tout de suite après sur la plateforme, et les deux niveaux d'objectifs, et bien sûr les deux niveaux en termes d'invalidation. Allez, nous allons sur la plateforme de négociation. D'ailleurs ici à l'écran, nous avons toujours la position sur l'or que nous avions ouverte ce matin. Donc nous allons ici aller dans Indice. Puis dans Indice, je vais choisir Wall Street. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs indices sur les États-Unis, hein, puisque vous avez ici donc Wall Street pour le Dow Jones, l'US Texan pour le Nasdaq, et vous avez également l'US 500 qui lui correspond au S&P 500. Allez, on part sur le Wall Street. Donc comme nous sommes dans le cadre d'une stratégie haussière, je vais aller cliquer sur long. Et nous allons reprendre le niveau donc du turbo, le niveau de désactivation choisi. Voilà, je vous remets l'alerte juste au-dessus de moi. Donc le niveau choisi par Spectrum, par Trading Central, 28 643.43. 28 000, donc je vais le choisir ici dans la liste, hein, sur la droite. Voilà, il est ici, 28 643.43. C'est un turbo avec un effet de levier 10. Vous avez son prix, bien sûr, qui est affiché juste ici à droite. Simple petite vérification par rapport à l'objectif qui nous était donné. Donc le point pivot 31 250, donc on est bien au-dessus du niveau du pivot. En revanche, les objectifs 32 240, 32 710. Donc 32 000, voilà, on est sur une base de 32 027 là, à l'heure actuelle. Donc en effet, nous sommes en dessous de l'objectif est au-dessus du point pivot. Donc je vais choisir le turbo, 26 643.43. bien sûr, là aussi possibilité de choisir un turbo avec une barrière de désactivation qui elle sera plus proche du prix actuel, ce qui veut dire que l'effet de levier sera plus important, mais le risque de désactivation le sera également. Ou à l'inverse, possibilité de choisir un turbo avec une barrière de désactivation plus éloignée, et donc dans ces cas là vous faites baisser l'effet de levier et par conséquent également le prix du turbo. Donc je choisis celui retenu par Trading Central, 28 643.43 pour la barrière de désactivation. Ce que nous allons faire ici, nous allons donc ouvrir un ordre au marché pour être exécuté donc de façon immédiate. Donc je vais choisir ici le type d'ordre, je vais choisir l'ordre au marché. Alors voyez ici, donc vous avez par défaut une quantité de 1000. Alors la valeur notionnelle ici est calculée. Si je
prend une quantité de 1000, donc c'est 1000 fois 34 €, ce qui me fait une position globale de 34 000 €. Bien sûr, pour le moment, je n'ai pas assez de fonds sur le compte, donc là aussi, je vous rappelle, c'est important d'adapter la taille de votre position en fonction, bien sûr, de la taille de votre portefeuille ou des espèces disponibles. Donc nous allons réduire ici, nous allons prendre une position sur 1000 turbos, alors pas 1000 turbos, sur 100 turbos plutôt. Donc 100 turbos représente une position dans le marché de 3420 € à peu près. Donc je clique sur aperçu de l'ordre et je fais placer ordre. Mon ordre est exécuté, j'ai donc acheté 100 turbos au prix de 34,26. Je retrouve cette position ici dans l'onglet position. Donc je rappelle que nous avions également ouvert une position ce matin sur le, en long, en gold long sur, sur un turbo 24. Donc ici nous sommes en position sur le Wall Street long, donc celui que nous venons d'ouvrir, qui était donc recommandé et retenu par Trading Central. Je peux bien sûr placer un ordre de vente par rapport à l'objectif, donc c'est ce que nous allons faire immédiatement. Je clique sur vente. Je reprends ici le type d'ordre. Cette fois-ci, nous allons placer un ordre limité. Et nous allons là aussi reprendre le niveau qui nous était indiqué sur l'alerte. Nous allons prendre le premier niveau. Vous voyez ici, j'ai 32 240. Donc j'utilise le pricer qui est un outil intégré au ticket d'ordre pour calculer le niveau du turbo, pour avoir une estimation du prix du turbo par rapport à ce niveau dans le marché. Donc ici, dans niveau du sous-jacent, je vais mettre 32 240, ce qui me donne un prix de turbo à 36,68. Donc je peux le copier directement dans mon ticket d'ordre. Alors bien sûr, rien ne vous empêche de déterminer vous-même le prix du turbo pour sortir la position. Disons que l'avantage du pricer, c'est qu'il vous permet de vous situer sur le turbo en fonction du prix que vous aurez donc déterminé, en termes d'objectif bien sûr, sur le sous-jacent, en l'occurrence ici l'indice américain, le Dow Jones. Donc vous voyez qu'ici sur mon ticket d'ordre, j'ai une estimation du gain ou de la perte potentielle en fonction du niveau de limite que j'ai indiqué. Il me suffit ensuite de cliquer sur aperçu de l'ordre, puis de valider. Voilà, donc là je suis en position sur le Dow Jones avec un ordre limité qui sortira donc ma position dès lors où je viendrai toucher les 32 240. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte de cet après-midi sur le Dow Jones. Je le rappelle bien sûr, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement aux alertes de trading sur le site d'IG. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes inscrit, vous recevez un email directement dans votre boîte, ce qui vous permet donc de consulter l'alerte immédiatement. Petit rappel également concernant les turbos 24, il faut savoir que la désactivation n'est pas enclenchée lorsque l'on est en dehors des heures de cotation du sous-jacent, puisque le turbo 24, je le rappelle, cote 24/24, vous pouvez ouvrir et fermer des positions quand vous le souhaitez. En revanche, la désactivation n'est pas activée, comme là par exemple sur le Dow Jones, après 22 h, même si on vient toucher le niveau de désactivation, vous gardez le turbo en position, et si à la réouverture du marché demain, donc là en l'occurrence sur le marché américain, demain à 15 h 30, le niveau du marché est toujours en dessous du niveau de désactivation, et bien votre turbo est perdu. En revanche, si à la réouverture demain, notre niveau de désactivation est inférieur au cours du sous-jacent, vous avez gardé votre position et vous pouvez là aussi bien sûr garder la main sur celle-ci et la vendre à tout moment. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de bons trades et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine alerte vidéo sur les turbos. À bientôt.